Les responsables gouvernementaux du monde entier ont exprimé leurs vœux de bonne année à la Chine et à la communauté chinoise. Écoutons-les. Dans un discours télévisé, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé ses meilleurs vœux de nouvel an à la communauté chinoise au Canada. Chaque année, les familles et les amis se réunissent ensemble dans l'esprit de partage et de bonheur pour célébrer le nouvel an lunaire. Sophie et moi offrons nos vœux les plus chaleureux à tous les Canadiens qui célèbrent le début de l'année du singe de feu. La communauté chinoise canadienne, cependant, a joué un rôle important dans la construction de notre pays et dans la définition de notre héritage. Tous les jours, nous vous rappelons de vos contributions économiques et culturelles dans notre pays. Vous êtes un parfait exemple de la force canadienne, cependant, la diversité. Tandis que nous réfléchissons à l'année passée et à l'année à venir avec optimisme, je vous souhaite à tous une excellente année du singe de feu, pleine de santé et de prospérité. Le gouverneur de la ville russe de Saint-Pétersbourg a également exprimé ses meilleurs voeux pour le nouvel an chinois. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente année pleine de santé. J'espère que vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. J'espère que la Chine et la Russie continueront leurs relations d'amitié comme toujours, dans l'entente, la coopération et la promotion de nos relations. Le ministre indonésien du tourisme, Afief Yahya, a pour sa part exprimé ses meilleurs voeux. Il espère que davantage de Chinois voyageront en Indonésie pendant les vacances de la fête du printemps. Tous nos meilleurs voeux de la part de l'Indonésie.